Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir télécharger la bêta qui sera disponible le 8 pour ceux qui ont précommandé le jeu. Mais vous pouvez même, vous qui n'avez pas précommandé le jeu, télécharger la bêta parce qu'il y aura la bêta publique pour tout le monde. Donc voilà, alors pour télécharger la bêta, vous allez taper Cold War, enfin non même pas, vous tapez juste Cold et ensuite vous mettez bêta, B-E-T-A. Et voilà, c'est la première, le premier jeu, voilà, c'est gratuit. Donc tout le monde peut le télécharger, même si vous n'avez pas de précommandé le jeu, même si vous n'avez pas de code bêta. Enfin, vous pouvez télécharger. Donc téléchargez-le. Les dates, voilà, les dates sont très importantes. Pour ceux qui ont précommandé le jeu, on va pouvoir y jouer directement le 8 octobre jusqu'au 9 octobre, d'abord sur PS4. Ensuite, il y aura... Et ensuite, il y aura la bêta ouverte donc pour tous les joueurs du 10 au 12. Et je pense que là, le 10 au 12, il y aura pour ceux de Xbox. Et ensuite, il y aura une autre bêta ouverte pour toutes les consoles qui est du 15 au 19 octobre. Donc, ce sera pour, sur PS4 et sur Xbox. Je ne sais pas si les PC l'auront, mais je pense qu'il y a des chances que le PC l'auront aussi. Donc, voilà. Alors là, on va le mettre à télécharger. Voilà, c'est gratuit. Hein. Donc, même pour ceux qui ont acheté... le jeu dans un magasin, que vous l'avez précommandé dans un magasin, vous pouvez déjà précommander la bêta, pré-télécharger, excusez-moi, la bêta. Donc comme ça c'est fait. Et dès que vous recevez votre code que vous associez à votre compte via votre précommande de jeu de disque de votre disquaire, bah, logiquement vous aurez juste à vous connecter et ça fonctionnera. Donc là regardez, la bêta elle fait 32 gigas. Donc voilà. Ça fait quand même beaucoup, mais voilà. Alors une petite astuce hein, pour ceux qui ont un téléchargement assez lent, n'hésitez pas à jouer avec la connexion en faisant XXXXXXX. Donc ça va mettre pause et ça relance le téléchargement. Et logiquement, ça doit diminuer dans les minutes parce que parfois il y a des petits bugs et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire XXXXX pour arrêter et reprendre le téléchargement, pour relancer le téléchargement et... que le téléchargement se fasse plus. De toute façon, vous avez 2 jours d'avance. Donc ça va, hein, vous avez large, même si c'est 31 gigas, vous avez large le temps de télécharger la bêta pour être directement opérationnel dès que le jeu sortira, enfin dès que la bêta sera disponible le 8 octobre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy.